passe là de Lobé. 40-30. Quel smash! Ah, il adore ça! Avec une détente verticale qui est certainement la plus haute de tout le circuit professionnel. Je ne sais pas si le défi du fond du court en diagonale revers est une bonne idée du côté du français. Qu'est-ce qu'il est nerveux! C'est dans le couloir. Oh, c'est un miracle. Bernfors est fou furieux. Il aurait pu gagner largement ce point à plusieurs reprises. La pression est en train de le faire jouer petit bras. Advantage Bernfors. Est-ce qu'il va réussir à mener 6 joueuses à 5 Bernfors? Très calme, Dennis Ralston. Ouais, ça c'est très bien monté. Et c'est très étonnant, Bernfors avait changé sa position sur le court depuis pratiquement le début de ce deuxième set pour devenir beaucoup plus agressif. Et là, dans ce jeu, il recule à nouveau. Automatiquement, il laisse le temps à Yannick Noah de venir au filet. Regardez la position du français. 1m50 à l'intérieur du court. Et il monte. Et oui! Il a bien senti, Yannick Noah, que Bernfors doutait, redoutait même la présence du français au filet. Il est loin d'être tranquille. Balle de break. C'est fait! Oh, il est allé le chercher, ce break! Le français. Il a hésité un tout petit peu au début de ce jeu en restant au fond du court. C'est vrai que Bernfors n'arrêtait pas de le passer. Et puis il a vu que le Suédois devenait de plus en plus tendu. Thank you, ladies and gentlemen. Il a repris les commandes. 6 jeux à 5. Il sert à nouveau pour essayer de remporter ce set. Qu'est-ce qu'il sert comme première balle? Oh là là.